Eh bien, bonjour, bonjour à toutes. Sur ce live de cet après-midi, dans notre atelier créatif de ce mercredi après-midi. Donc, je suis Prisca Benedetti, Descartes pour le dire. Et je vous remercie tout d'abord celles qui seront ici avec nous sur le live ou qui resteront en replay. Puisque le replay restera sur la page sans aucun problème. Donc bonjour à celles qui arrivent. Je laisse rentrer petit à petit. Et puis on va commencer à regarder cette jolie carte que j'ai baptisée carte au joli ruban. Eh bien coucou Annie. Super, Annie est avec nous et puis je pense qu'Edith aussi arrive tout doucement, voilà. Donc voilà, je vous disais que j'avais baptisé cette carte, la carte au joli ruban. Bon, je ne savais pas trop comment la baptiser. Donc comme j'avais mis un ruban un peu bohème, je me suis dit, tiens, on va l'appeler comme ceci. Bonjour Edith. Donc ma carte, dans cette première version, elle était pour un anniversaire. Donc un anniversaire plutôt féminin. Donc j'avais décoré avec un joli bouquet avec des fleurs ici. Donc comme je vous disais, un joli ruban un peu bohème vintage ici. Et j'avais bien sûr mis le vœu bon anniversaire. Alors aujourd'hui, je vais faire la même structure de carte, sauf que je vais la décorer façon Pâques, puisque Pâques approche à grands pas. J'avais envie de faire une carte de Pâques avec vous. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer donc cette carte, la structure de la carte. Donc, elle s'ouvre comme ceci avec un ruban. Le ruban est passé en dessous du bouquet. Et on l'ouvre donc comme ceci et comme ceci. Voilà, c'est tout simple. Alors, au milieu, il y a de quoi écrire les vœux à la personne à qui vous l'envoyez ou vous la donnez. Et puis, bon, ici. Quelques papiers à motifs avec le vœu devant. Voilà, donc aujourd'hui, donc je vous disais, je vais faire la même chose avec la version Pâques. Donc vous, vous choisissez votre thème, soit avec des fleurs, soit avec n'importe quoi, un animal ou ce que vous voulez, avec le thème que vous voulez, soit pour un anniversaire ou Pâques, etc. Ça fait un peu comme un portefeuille, on va dire. Ça s'ouvre un peu comme un portefeuille. Et puis, donc, on aura chacune notre petite version. Donc, allez dans vos tiroirs et puis regardez ce qui vous plaît, ce que vous avez, des choses que vous n'êtes pas servies depuis un moment. Et puis, on va pouvoir les utiliser ensemble. Alors, moi, aujourd'hui, pour faire cette version Pâques, je vais garder ma structure en blanc comme la dernière fois. Pour donner de la lumière pour que le fond ressorte bien. Et ensuite, je vais utiliser ces papiers ici. J'ai trouvé qu'ils étaient sympas pour Pâques. Le fond est blanc avec comme des sortes d'œufs entre guillemets, hein, des petits ronds. Voilà, donc moi, ça, je vais le mettre sur le devant. Je vais utiliser un deuxième papier comme ceci qui est de la même collection, hein. C'est du papier Stampin' Up. Avec le jaune ici qui est plus foncé, qui est exactement de la même couleur que le cercle ici. Donc ça va être l'intérieur. Et mon papier uni sur lequel je vais écrire sera jaune et je vais tamponner également avec des petits poussins. Et alors, côté tamponnage, j'avais envie de ressortir ma caméo dont je ne me suis pas servie depuis longtemps. Donc j'ai une caméo depuis 2017, dont je me sers de temps en temps, mais pas assez à mon goût. Donc j'ai découpé à la caméo un petit poussin Mimi, comme ceci. Donc ça va faire comme ça. Il va être sorti de sa coquille, comme cela, avec la coquille qui va être tombée comme ça sur le devant. Et puis après, dans les découpages, vous voyez, c'est tellement tout petit. J'ai un petit nœud, j'ai son petit bec, etc. Voilà, ici. Et comme ça, on va se faire le petit poussin. Et puis, je vais peut-être mettre un peu d'herbe. Là, j'ai quelques poinçons de bordure avec un peu d'herbe. Je ne sais pas encore trop hein, ce que je vais faire. Donc ça va être collé sur un rond ici, hein, comme mon bouquet. Hein. Je vais venir mettre le rond ici. Et après, j'ai collé mon bouquet. Et là, je vais coller mon petit poussin.
Bon, ça, je vais le faire après avec vous. Je verrai bien qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça, c'est une carte qui sera plutôt pour Pâques, destinée à un enfant. Voilà, comme ça, mes tons jaunes rappellent bien Pâques. Enfin, pour moi, Pâques égale jaune. Alors, après, je ne sais pas, hein, ça peut être plusieurs couleurs. Eh bien, voilà. Donc, on va se mettre la petite carte sur le côté, puisque de temps en temps, je la reprends pour m'aider. Je vais préparer mon papier. Et puis, je vais vous donner donc les mesures. Alors, pour la structure. Ah, coucou Laurie, qui est avec nous. Gros bisous. Pour la structure, donc elle est en blanc. Donc là, c'est un papier, prenez un papier qui est quand même assez épais, hein, pour pouvoir pas que ça se gondole après, parce que quand on a une structure de carte, il faut quand même que ce soit assez épais. Et les dimensions de ce papier blanc fait 28 x 11 cm. Donc je vais tout de suite prendre le coupe-papier et puis je vais le couper avec vous. Donc 28 x 11. Donc je vais d'abord prendre les 11 dans ce sens, comme ça. Hop. Dans le sens de la hauteur de mon A4. Et ensuite, je vais tourner, je vais ouvrir et me placer sur les 28. Les 28 cm. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc voilà mon morceau de papier pour ma structure. 28 x 11. Ensuite, quand vous avez ceci, on va se replacer dans notre coupe papier avec la version qui plie, et on va plier à 4 et à 16,5. À 4 et à 16,5. Alors, je reprends le petit coupe-papier, je mets la chose qui coupe en bas, et je me place sur 4. Donc là, je me suis placée sur les 28, et je me place à 4 cm. Puis je pousse le papier et je me place à 16,5. Voilà. Donc ça vous fait un pliage à 4, un pliage à 16,5. Alors on peut commencer à plier ici la découpe de 4. On la plie. On peut prendre une chose comme ceci, un plioir, pour pouvoir appuyer sur le pli. Et ensuite, on vient replier cette partie-là, comme ceci. Donc, ça va être comme ceci. Ensuite, quand on a obtenu cela, on va tout simplement déjà découper nos papiers de matage. Donc, moi, la dernière fois, j'avais fait tout avec le même papier. J'avais fait le devant, le derrière, ici, voilà, ces quatre choses ici, 1, 2, 3, 4, donc j'avais fait deux de chaque avec le même papier. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre ce papier-là devant, sur les deux, et ce papier-là ici, et ici, bon, je vais voir, ce sera allumé, et puis ça dépendra de ce qui me reste de papier, parce que ici, celui-ci, je me rends compte que je l'ai déjà utilisé. Donc, je vais peut-être être un peu embêtée. Donc, je vais bien voir. Alors, on y go. Pour le devant. Donc, si vous faites pareil ici et ici avec le même papier. Donc, vous pouvez en découper deux déjà dans le même papier. Qui vont faire... qui vont faire 10,5 sur 3,5. Donc moi j'avais marqué 2. Bon, je vais essayer déjà d'en découper. Je vais en faire qu'un moi parce que je vais voir si j'ai assez. Donc vous faites 1 de 10,5 sur 3,5. Donc je vais prendre ça et je me place à 10,5. Donc ici ma découpe ça ne va pas faire. Moi je vais plutôt mettre sur 3,5. Alors, 3,5, voilà, et 10,5. Donc là, j'ai de quoi déjà mater le devant, le petit devant de ma carte. 3,5, 10,5.
petit bout sur le côté. Pour ici, donc, hein, on est d'accord, pour mater ici. Ensuite, je vais faire la même chose devant. Alors, devant, pour le matage, ça va être 11 x 10,5. Donc, avec le papier à motif de votre choix. 11 x 10,5. Donc, moi, je vais prendre celui-ci pour être sûr d'en avoir assez. On va pousser. Et je le mets sur 11. Alors, 11. Et 10,5. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai de quoi ici faire le devant. Donc ici, celui-ci, comme ceci. Et celui-là, comme ceci. Voilà. J'aime bien ces petits ronds, c'est sympa, c'est rigolo. Après, les petits ronds vont pas correspondre avec en face, hein, mais bon, on va pas non plus. Ce n'est point grave. Voilà. Alors, est-ce que j'ai assez pour faire ici? Je pense que oui. Donc, il faut maintenant faire l'intérieur. Donc, c'est les mêmes que tout à l'heure. C'est tout le temps 10,5 x 3,5. On va voir si j'ai 10,5. Oui, donc c'est bon. Alors, je refais un deuxième papier ici de 10,5 sur 3,5. Non, ça a glissé ici, ça va pas quand ça glisse. Hop. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir faire l'intérieur ici. Ici, l'intérieur là. Maintenant, moi, je vais prendre mon autre papier pour faire ici. Donc, c'est toujours, comme le devant, 10,5 sur 11. Donc là, moi, je vais changer de papier et je vais prendre celui-ci qui va rappeler l'extérieur de mes petits ronds, comme je vous disais. Ça s'appelle le matage intérieur, ici, droit, de 11 sur 10,5. Alors, soit vous prenez un autre motif, soit vous prenez le même. Donc, je me place à 11. Sur 10,5 et là donc j'ai de quoi faire ici. Alors maintenant qu'on a découpé tout ça, avant d'en avoir tout partout, on va commencer à les coller. Après on va plus savoir. Donc là je vais prendre un petite chose de brouillon là pour pas mettre de la colle partout. J'y retourne et je colle. Bonjour à Caro, oui, oui, tu peux regarder plus tard, il n'y a pas de souci, ça va rester ici et sur l'événement également. Alors, je mets de la colle tout autour. Alors, c'est 10,5 sur 11, donc il ne faut pas que je le mette à l'envers. C'est comme ça. Voilà. Alors, je fais attention de laisser une bordure égale tout partout autour. Et je viens coller mon petit papier. On va remonter un peu. Voilà, ensuite, je vais mettre celui-ci. Voilà. Et je viens le coller ici. Là, je vais essuyer avec un petit chiffon parce qu'il y a la colle. Il y a de la colle un petit peu. Après, je vais fermer. Je vais mettre ici.
Voilà. Et puis ici, je ferme comme ça et je vais mettre ici mon deuxième papier qui doit être en dessous ou je sais pas trop où. Il s'est sauvé. Voilà, donc je viens le mettre ici. Voilà, donc ça se peaufine un petit peu, on voit un peu ce qu'on veut faire. Ensuite, on va poser le rond et les ronds et le ruban. Oui, non, non, je ne le mets pas dessous là tout de suite, je le mets... j'ai pas fait ça dans l'autre, tu vois, regarde, j'ai pas mis dessous ici en dessous, j'ai mis dessous le rond. En fait, c'est pas un rond qu'il faut faire, c'est deux ronds. Donc on va prendre une perfo quelconque ou alors un poinçon, ce que vous avez, hein, une framelite. Et vous allez donc découper deux ronds. Donc moi j'en avais déjà découpé un. Hein. Voilà, ben je vais en découper deux puisque je ne les trouve plus. Hein. Alors deux ronds, avec, moi je vais prendre du jaune. Bon, il est un peu plus foncé, mais c'est pas grave. Donc, je vais découper deux ronds. Comment ça se fait ? Ah, il est là, j'en ai un déjà. Oui, voilà. Donc, j'en découpe un deuxième. Bon, c'est pas la même couleur, mais c'est pas grave pour moi. Hop. Vous en découpez deux. Soit avec la perfo, soit avec une framelite. On va se prendre un petit ruban. Alors moi, la dernière fois, j'avais pris ce petit ruban là. C'est bizarre, ça fait même élastique. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ça parce que du coup, je fais bien mes tiroirs, parce que j'ai bien l'intention d'utiliser tout ce que j'ai maintenant. Et pas que ça dorme pendant des années. Donc, j'ai retrouvé ça. Alors, je ne sais pas quand j'ai eu ça, mais ça fait au moins quelques années. Et du coup, je me suis dit que ça, c'était tip top. Parce qu'il y a des petits coquetiers. Donc marron comme ça là. Vous voyez, ça c'est tip top pour faire ma carte. Sinon, bah, vous prenez une couleur unie si vous n'avez pas. Donc ça, ça va bien aller. Donc la longueur du ruban. Alors je vais vous la dire parce que la dernière fois, je ne l'ai pas mesuré. Donc il va me falloir. De quoi faire la cocarde après. Donc ça va venir comme ça, tout comme ça. Et puis ensuite, ça va s'arrêter environ ici. Donc je vais couper. Puis je vais le mettre sur le côté. Et je vais vous dire là combien j'ai. À mon avis, il y a bien 50 cm. Hein. Oh, puis du coup, il est tout tourné. Bon, c'est à la louche, mais bon, c'est pas là. 40, oui, bah c'est sur 40. Oui, il y a 48, donc un petit 50 cm. Alors, toi, sur le côté. Alors, vous allez donc mettre de la colle. Avant de mettre de la colle, pour être sûr. On va prendre du double face et sur un des ronds, on va mettre le double face vers le milieu comme ça du rond. Ça, ça va m'aider à guider un peu le ruban. Ensuite, on va prendre à peu près une longueur comme ça, hein. Je vais bien voir ici. Donc, c'est-à-dire... ouais. À peu près une petite vingtaine de centimètres que vous prenez du bord de votre ruban. Et vous allez mettre
ici, vous allez coller quand on aura enlevé la pellicule sur votre rond. Donc, j'enlève la pellicule. Et je viens le poser dessus. Quand j'ai fait ça, je prends de la colle. Et je vais venir badigeonner de colle bien tout partout et même sur le bord du ruban pour que ça colle. Et je vais venir poser mon deuxième rond dessus. Au besoin, je vais prendre... J'avais retrouvé des petites pinçonnettes comme ça là, la dernière fois. Donc ça va bien en ferraille. Je vais venir mettre une petite pinçonne ici, mais pas trop longtemps parce que celles-ci, elles font des traces. Donc elles sont pas si bien que ça. Mais bon, je m'en fiche puisque devant, il va y avoir mon petit poussin. Voilà, comme ça va bien coller. Donc comme ça, on a notre système avec le ruban qui va bien tenir entre les deux. Alors, comme vous l'avez compris, ensuite, je vais venir le coller ici sur la moitié de mon petit volet. Et comme ça, mon système va déjà être tout prêt. Et après, je ferai mon petit nœud. D'accord? Donc, j'enlève mes petites pinces. Normalement, ça a collé. Alors, vous avez bien badigeonné. Hein, vous n'avez pas lésiné sur la colle parce qu'il faut quand même que ça tienne. Donc, je vais faire un repère. Donc, je vais me placer dans le milieu. Alors, ça, c'est à l'œil. Hein. Je vais me tourner sur l'envers. Ça va être l'envers. Hein. C'est juste pour faire des petites marques, pour savoir où je vais mettre la colle. Donc, la colle, hein, à peu près à moitié de votre rond, elle va venir de là à là. Du coup, je vais tirer un petit trait tout léger, Mimi. Et je sais que je vais mettre de la colle ici. Quand je vais retourner, ça va être l'endroit. Donc, je mets ma colle là. Merci à Suzanne qui dit que c'est une très jolie carte. Ben, merci, Suzanne. On pourra peut-être l'offrir à nos petits enfants pour Pâques. Donc, je mets ma colle, je retourne, je reviens ici vers le milieu. Donc là, bien sûr, je vais sur le dessus, à peu près ici. Donc, on peut mettre un fer à repasser ou je ne sais pas quoi, quelque chose de lourd dessus un petit peu. Pendant un petit moment, comme ça va bien coller. Ensuite, je vais préparer mon petit poussin. Donc moi, pour moi, c'est mon petit poussin, Mimi. Et pour vous, bah, c'est peut-être un tamponnage. Donc il est temps de tamponner. Si vous faites vos fleurs comme moi ici, vous voyez, j'ai tamponné. Donc ça, c'était un... Je ne sais plus comment il s'appelait. C'était des fleurs de... J'ai oublié le nom. J'ai fait plusieurs tamponnages de plusieurs couleurs. Après, je les ai découpés au ciseau parce qu'avec celui-ci, je n'avais pas les poissons qui allaient avec. Je les ai coloriés, j'ai même fait ça sur du papier aquarelle, je vois ça. Comme ça fait un petit grain. Je les ai coloriés et ensuite je suis venue les poser donc sur mon rond. Par exemple, j'ai mon rond comme ça, hein. Bon, c'est pas ça. Et je suis venue les poser comme ça. Alors, certaines en dessous et d'autres par devant pour donner du volume. Et je suis venue constituer mon bouquet et mon bouquet a totalement caché, vous voyez, mon rond qui est en dessous. Voilà, pour bien pouvoir garnir le devant de mon rond. Et puis j'ai glissé ici avec la petite perfo qui va bien, avec du vert, j'ai glissé quelques feuillages puisque là c'était version bon anniversaire. Voilà, donc ici c'est ici que je reviens à mes moutons, c'est là que je reviens avec mon petit poussin. Donc maintenant c'est collé. Alors vous faites vos tamponnages soit de fleurs ou je sais pas, un petit animal, si vous voulez souhaiter un anniversaire pour un enfant, si c'est pour Pâques, une petite poulette. Hein, moi, après, je vais me servir de ça, de mes petits poussins, là. Donc, avec le set de tampons, mon poussin, je vais me servir de ce petit coco, là. Bah, pourquoi pas, si vous avez des poulettes, vous pouvez tamponner une poulette, la colorier, la découper.
Donc bah ici, bah moi je vais commencer à coller mon poussin. Je vais un peu regarder. Bah c'est très bien parce que le bas du rond va pile poil sur mon rond. Qui l'eût cru, qui l'eût cru. Et bah oui. Donc moi je vais le mettre comme ça. Après, il a un petit ventre. Je vais le coller comme ça. Et en 3D, je vais venir avec le petit œuf. Ça va être super. Voilà. J'avais envie de faire ça. Et après, j'avais envie de faire comme si la coquille, il l'avait poussée. Et limite, elle était tombée un peu comme ça de ce côté-ci pour que voilà. Voilà. Et ici, joyeuse Pâques, et ben du coup, au lieu de le mettre en bas, je vais le mettre en haut. Voilà. Donc vous aussi, vous essayez de penser avant ce que vous allez faire avec votre petite décoration, votre petite poulette, ou voilà. Vous faites comme moi. Hein. De toute façon, on est bien tous pareils. Hein. Il faut bien regarder avant ce qu'on va faire. Alors, voyez, moi, la caméo, bon. C'est bien la caméo, mais vous voyez, ça découpe. J'ai dû recouper un peu après. Bon, c'est les lames. Hein. Les lames de caméo, elles s'abîment très très vite. Donc la caméo, c'est un outil qui aide à découper. On peut faire des choses soi-même, etc. Mais bon, à vrai dire, j'ai jamais eu trop le temps de. Et puis je suis en train de mettre de la truc partout. J'ai jamais eu trop de temps d'y regarder et je ne l'ai pas exploité comme il aurait fallu. Et c'est vrai qu'avec le prix que ça coûte quand même, ben je vais peut-être un jour m'y mettre maintenant. Je vais avoir un peu plus de temps, peut-être. Et puis voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même un investissement. Je suis persuadée qu'on peut faire de jolies choses. Laurie, ben Laurie, elle sait ce que quoi je parle, hein, parce qu'on a une aussi. Ben, elle l'a plus, puisque je pense que tu as changé de machine. Parce que c'est pas facile, facile. Mais bon, je ne vends pas la caméo là. Alors, donc ici, je vais mettre le petit vent. Donc, vous faites votre petite décoration suivant votre thème. Alors, après, quand vous avez des petites choses, si vous êtes comme moi, hein, moi j'ai des petites choses ici, eh bien, cette pince-là, ce n'est pas une pince à épiler, mais au début, quand de mon activité, je prenais une pince à épiler, c'est kiff kiff bourrico, hein, c'est pareil. Oui, très bien, Caméo. Oui. Et maintenant, tu as changé de machine, Laurie. Dis-nous, c'est quoi que tu as maintenant? Cricut? Cricut, un truc comme ça. Donc ici, je prends avec la petite pince. Comme ça, je vais retourner comme ça. Je mets ma colle. Et je viens, comme ça reste sur la pince. Et je viens mettre ma petite chose ici. Comme là, j'ai un petit nœud. Parce que sinon, quand vous avez des petites choses avec des gros doigts, c'est pas bien pratique. Donc j'ai ça, j'ai deux petits yeux. Alors là, c'est encore plus petit. Oups, je l'ai collé. Donc quand j'ai des petites choses comme ça. Ah oui, la circuit maker. Ok. Et elle est bien, elle est mieux. Je fais un petit point de colle et je viens mettre après ma petite chose. Et du coup, ici, ça m'aide à appuyer un peu pour faire coller. C'est vrai que des fois, en scrapbooking, il faut de la patience parce qu'on a des toutes, toutes petites choses. Donc ici, je vais essayer de piquer le deuxième petit truc noir. Donc ça, pour facile. Voilà, hop, il est tombé, c'est pas grave. Je vais faire mon deuxième petit point à peu près symétrique. Et je viens le recoller dessus. Et je viens éponger. Ensuite, j'ai un petit bec. Donc ça, faut pas que je le mette à l'envers, parce que ça, c'est ma spécialité. Pourquoi je mets toujours à l'envers? Ah non, c'est comme ça. D'accord. Donc je vais reprendre Joséphine et je remets de la colle derrière. Et il a son petit bec. Est-il pas beau, mon petit poussin? Piou piou piou, comme tu dis, Laurie. Piou piou piou. Voilà. C'est tout mimi. En fait, c'est facile. Hein. En fait, c'est deux ronds qui sont un plus gros, un plus petit, puis il y a des petites ailes. Alors après, bah, je vais mettre cette petite chose ici, l'œuf. Je vais la mettre, donc, c'est le deux même, non, ça c'est le dessous. Hein.
Donc le dessous, je vais le mettre en 3D comme on dit. Et du coup, je vais prendre du 3D mousse ou une petite plaque de 3D mousse. Alors bah vous, hein, vous n'avez pas pareil que moi. J'essaierai si vous voulez, je vous mettrai le fichier Cameo pour celles qui l'ont. Comme ça, bah, elles auront le fichier, elles n'auront plus qu'à l'ouvrir. Si ça peut vous faire plaisir. Ça, je pourrais le mettre en dessous. Alors ici, je vais venir donc mettre mon œuf. Voilà. Ici, je vais venir ici mettre ça, mais j'avais envie de mettre un petit peu d'herbe. Alors pensez aussi, parce que Pâques, pour moi, je trouve que ça manque un peu de vert. Donc, je vais prendre mon temps de sortir. Je sais que j'avais des belles bordures d'herbe. Donc moi, je range tout ça là-dedans, là, dans ma petite pochette. Voilà, ça, c'était aussi des framelits dont je me sers très, très souvent. Je vais prendre cela, voilà, c'était du Stampin' Up, hein, ça. Bon, je peux plus vous dire parce que j'ai retiré la pochette. Donc je vais prendre du vert et je vais découper dans du vert pour mettre un petit peu de verdure ici. Je trouve qu'il manque un peu de verdure quelque part. Je vais me servir ici de cette partie-là. Alors, du vert. J'en ai trouvé. Donc ça, c'est vite fait hein, quand même. Si vous avez la framelite, ça vaut le coup de rajouter la petite verdure qui va bien. Ou alors si vous avez des petites perfos, ou bien vous faites vous pouvez faire la verdure vous-même. Moi avec les enfants à l'école, je leur fais découper dans du papier comme des petites franges là, comme ça, pour faire de l'herbe. Hein. Quand on n'a pas ce qu'il faut, on se débrouille. Hein. Voilà, donc ici, la bordure, elle n'est pas très jolie. Donc je vais la découper. Que ce ne soit pas si gros. Voilà, puis je vais venir la poser, je vais l'ouvrir, puis je vais venir le mettre ici en bas. Je vais la découper à ce niveau-là. Ben non, avec les machines, alors soit on a des modèles déjà avec, quand on les achète, enfin moi je parle de la Cameo, hein, et sinon on peut les faire soi-même. Ou alors, en ce qui concerne la Cameo, on a une petite sorte de boutique où on paye, moi je paye 4 euros par mois, et j'ai droit à choisir une vingtaine de modèles tous les mois, et on se fait une petite bibliothèque comme ça. Donc ouais, c'est sympa, on a pas mal de découpes. Et on peut faire nos modèles aussi. Alors j'avais déjà essayé, j'avais déjà réussi à faire quelque chose. Hein. Mais bon, comme j'ai pas suffisamment de temps, il faudrait vraiment que je m'y planche beaucoup plus. Mais c'est vrai que ce genre de machine, c'est un trésor, hein, ça c'est clair. Hein. Ça demande un peu de temps, mais... Voilà, moi ce que j'aime pas trop à la Cameo, c'est que c'est une planche transparente, adhésive, et du coup, enfin je sais pas toi Laurie, mais je trouve que quand elle est neuve, elle colle de trop, ça fait onduler le papier, et quand elle est pas neuve, le papier glisse, donc il faut attacher le papier. J'ai du mal avec ça, mais bon, j'ai trouvé un rythme, hein, je mets du washi tape pour dire que ça tienne bien, enfin voilà, je me débrouille. Voilà, donc vous voyez, avec ça, ça fait quand même un peu plus joli. Donc j'ai de l'herbe de ce côté, donc je vais m'en glisser un petit peu ici. Également, qu'est-ce que je pourrais mettre? Parce que là j'ai tout pris. Je vais en recouper un petit bout. Bon, je le ferai, bon, je verrai bien. Peut-être que j'en mettrai un peu ici, mais je ne vais pas vous perdre votre temps. Voilà, donc vous voyez, mon petit truc est là. Alors du coup ici, ben, je vais faire comme s'il avait perdu sa coquille. Et qu'elle était tombée, donc je vais me la coller ici comme ça sur le côté. Oui, voilà, toi aussi Laurie. Ouais, au début les tapis ça colle trop et du coup le papier ils sont durs. Alors je sais pas si tu as la même chose avec la Cricut machine truc là, mais je trouve que ça c'est quand même un petit souci. Donc en fait les plaques elles sont mieux quand elles sont un peu plus vieilles. Mais du coup, je dois les tenir avec un washi pour pas qu'elles se barrent
dans la machine. Voilà, ça je trouve que c'est un peu chiant. Voilà, hop. Les tapis, faut les faire en fait. Mais bon, après c'est une mine d'or, hein. On a plein de trucs dessus. Alors ici, voilà, je vais mettre un peu comme ça. Comme ça, ça va être fermé comme ceci. Et je pourrais faire mon petit nœud. Ah oui, il y a peut-être une façon de faire. Ouais. Vous voyez, j'ai pas fassé long, moi. C'est pas le même truc, il est plus raide, alors du coup, ça fait pas pareil. Bon. Mettez un petit peu plus de longueur, peut-être. Alors, ici, on va refaire un papier, donc uni. On pourrait le laisser blanc, hein, si vous voulez. Vous pouvez écrire directement. Et moi, je me suis dit qu'en remettant du jaune, ça redonnerait de la couleur. Donc, on va se redécouper un papier de 10,5 sur... 10,5 sur 11,9. Alors. Donc, je me place ici. Je me mets à 10,5. Et dans l'autre sens, 11,9. Voilà, comme ça, je vais venir le coller ici. Et je trouve que du coup, ça rapporte un peu de jaune. C'est plus joli. Alors, avant de faire ça, je vais prendre donc des petites décorations d'œufs ici à deux pattes. D'œufs à deux pattes. Et je vais venir en mettre un peu sur le bas. Bah, ça, c'est ma déco à moi. Hein. Ça peut vous donner une petite idée. Et je vais venir avec du marron. Je ne vais pas les colorier puisque mon fond à moi est jaune. Mais vous pouvez très bien faire des petites décos comme ça à tamponner. Et vous pouvez très bien les colorier, vous, si votre fond est blanc. Juste quelques petits cocos comme ça. Un peu en guirlande, comme ça, sur le bas. Ensuite, je vais mettre ma colle. Donc, juste le ruban, je ne sais pas pourquoi, parce qu'avec l'autre, le ruban est assez long, mais... là, c'est pas le même style de ruban, donc moi j'aurais dû le faire un petit peu plus long, je trouve. Peut-être prendre les 50 cm. Voilà. Alors, si vous souhaitez glisser un petit billet, vous pouvez très bien ici remettre un petit papier devant, coller que à droite et à gauche pour y glisser le petit chèque, hein, qu'on attend à Pâques, quand on est une grand-mère, on a bien plaisir à leur faire plaisir. Donc voilà, vous pouvez toujours le faire ici à droite si vous le voulez. Donc ça va se fermer comme ça et comme ça. Donc je peux fermer mon petit nœud et je vais m'occuper de mon vœu. Donc le vœu, bah moi bien sûr j'ai choisi Joyeuse Pâques, hein, elle est bonne celle-là. Sans blague. Et vous, bah, ça dépend de votre... Vous n'avez peut-être pas fait Pâques. Hein. Vous avez peut-être fait autre chose. Voilà, il est un peu court, le mien. Bon, c'est pas grave. Donc, ici, je vais prendre maintenant du blanc. Donc, j'ai bien un petit bout de blanc qui traînaille, ici. Je vais prendre, donc, Joyeuse Pâques. C'est pas marqué, mais assurez-vous, c'est bien ça. Alors après, si vous faites une carte d'anniversaire, c'est ou n'importe quoi, c'est le moment, ou bonne fête des mères, c'est le moment de mettre votre vœu. Donc je viens tamponner. En premier. Et en deuxième, je prends donc ma perforatrice pour pouvoir découper après, comme ça je me mets bien droit. Voilà. Et je vais venir mettre... une petite mousse. Donc là, je vais prendre des petites mousses comme ça, toutes fines, hein, qui sont déjà prédécoupées. Sinon, bah, vous mettez des petits dimensionnels tout petits, si votre étiquette est petite. Si j'arrive à le choper. Hop. Et je vais venir le placer en dessous. Là, il est un peu long. Il est un peu long. On va le couper. Voilà, j'enlève la pellicule.
Et il me reste qu'à le placer. Donc je pourrais très bien le mettre ici ou là. Alors, à voir. Qu'est-ce que je fais? Dilemme. Oh, j'ai bien envie de le mettre sur l'œuf, moi. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça ressort mieux. Là ou là. Allez, on va le mettre là. Petite pulsion. Hop. Et on vient le mettre donc où vous voulez. Là ou là. Ou en bas, vous, si vous n'avez pas votre déco qui est fait comme ça. Si vous voulez, vous mettez quelques petits bijoux, bijouterie. Et voilà, donc voilà la mienne, voilà, Pâques, que je vais offrir à un enfant. Et puis voilà, la version de base qui était bon anniversaire, on peut le décliner dans toutes les versions. Ouais, sur l'œuf, sur l'œuf. Ah bah tu vois, oui, j'avais raison. Il me semblait bien que sur l'œuf, c'était plus joli. Voilà, il est mimi ce petit poussin. Alors, la prochaine fois, donc merci d'être venu ou d'avoir regardé. Alors, comme d'habitude, bah, vous me postez bien ce que vous avez fait. Hein, on aime toutes voir ce que les autres font. Et puis, la prochaine fois, donc ce ne sera pas mercredi prochain, parce que j'ai un petit quelque chose à faire. Ce sera le mercredi d'après, donc ce sera 14, 17, 18, 19, 20, le 23. C'est ça. Le mercredi 23, donc toujours à la même heure, vers 15h, on va rester un peu dans les mêmes thèmes et on va faire cette petite carte que j'avais fait déjà il y a un petit moment, version comme si c'était une petite cage à oiseaux, comme ceci avec un petit oiseau. Voilà, donc sortez vos tamponnages d'oiseaux, d'œufs, de nids. Voilà, vous voyez, il y a un rond en dessous. C'est tout simple, ça, pour moi ça va célébrer le printemps puisque on va bientôt avoir la chance et on les a déjà d'avoir les petits cuicuis des oiseaux. On va faire une petite carte comme ça printanière dans 15 jours. Donc on reste dans les mêmes thèmes, piou piou oiseau et compagnie. Voilà, oui j'aimais bien, puis elle est très facile à faire, donc je n'avais pas fait de tuto, donc je voulais vous montrer. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. On a passé un bon moment ensemble. J'espère que ce moment vous a plu également. Donc le replay restera sans problème sur ma page et sur l'événement. Donc n'hésitez pas à me poster vos jolies créations. Et puis ben, je vous dis à dans 15 jours pour ce tuto. Voilà, je vous dis merci d'être venu et je vous dis à très bientôt. Bon après-midi. Ah.